Salut mes petits randonneurs! Comment ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Oui, aujourd'hui c'est moi qui fais l'annonce. Actuellement, où est-ce qu'on se dirige, Max Rando? Alors, nous dirigeons actuellement dans une montagne qui s'appelle les Rochers de Ney. Exactement, voilà. Cette montagne se situe au nord de Montreux. C'est parti, générique! La fatigue, non? Non. Oui. Mon Dieu. Tellement 200 par personne. Ah, un peu plus, non? 600 grammes par personne. Plus mes chiffres, mais je recommande les sandwichs faits par Paul à 1h30 du matin. Paul, on est où? À Co. Petite instant culture, alors là il y a ce qu'on peut appeler une doline, typique système d'infiltration de l'eau dans le calcaire qu'on retrouve uniquement dans les Préalpes vaudoises, exactement sur le plateau suisse. Voilà, c'était le petit point de culture. Alors nous sommes ici sur les lieux de l'ancienne crêperie du Jura. Elle s'appelait le Jura parce que ses ancêtres jurassiens qui ont créé la crêperie étaient nostalgiques. Comme moi de Marseille. C'était le petit point de culture. Mais en fait, si tu veux, de base, on est censé faire des zigzags et après on est censé tirer là-bas. Ouais. Bah c'est bien. Mais il y a encore des zigzags avant de tirer. Ouais, sauf que pas sûr. On est pour moi assez perdu. Petit point de culture. Là-bas, c'est situé l'ancienne crêperie qui a été démolie. Ils l'ont reconstruite là-bas. C'était un meilleur spot. Voilà, c'est tout pour point de culture. Que penses-tu de cette rando pour l'instant? Fantastique. Franchement, des acolytes incroyables. Je sais pas si t'as roux, quoi, il est là-bas. T'inquiète. On est bientôt à la prairie du Grutli, Inch'Allah. On y va. Allez, on y va. Oh, c'est joli, la vue. Sur l'Himalaya. Dès qu'on sera en haut du Grutli, grâce à, parce qu'on a escaladé l'Himalaya, et ben voilà. On abandonne Paul. On part en courant. Quoi? Rien? Non. Non, non. Absolument pas. On fait un plan du style, on va dessus, t'inquiète. On est parti de là-bas. Vous avez vu le contenu que je crée? On est parti de là-bas quand même. Là-bas, on a fait youh jusqu'ici. On va monter là-haut. Et pas là-haut, hein, parce que ça, c'est du caillou. Petit instant culture pour bien continuer la journée. Oui. Juste ici, les deux pics, ce sont les dents de midi. C'est très vite comme information, oh, mais c'est le cas, oui, voilà, les dents du midi. Pas sûr de l'info. Ces dents, constituées principalement de métal, ont été amenées par les Libanais directement. Comme cadeau de leur culture ancestrale, exactement. Qu'est-ce qui rigole? Je suis en train de calibrer mon téléphone, ça y est. Il danse. Ah, waiting for a GPS. Et donc, la grosse boule, c'est la tour de Mayence. La tour de Mayence. La grosse boule. À droite, c'est la tour d'Aïe, quoi? Laquelle? Ah, donc on raconte vraiment de la grosse merde. Hein. Mais non. Si. C'est les infocultures. Donc, c'est absolument pas les dents du midi, les gars. Nous sommes arrivés à destination. J'en peux plus. Paul, un mot pour décrire cette montée? Il n'y a pas les mots quand on voit le résultat, l'engagement. T'as des montagnes derrière. Ouais, en plus un joli plan. Non mais c'était quoi? T'as de la fondue? Je vais faire Et le vin blanc. Et les petits chips au romarin. Et les chips au romarin. On oubliera pas. T'as pensé quoi de se monter? Compliqué, mais on arrive au bout. Yes. T'as le vertige? Oui, j'ai le vertige, j'ai pas du tout. Du coup, pour toi, ça servait à rien de monter. Mais non, là, ça va, j'aime bien. Mais genre, faut pas trop vite. Et on est passé par là en bas. Non, on était là et puis on se disait, putain, c'est vachement beau. Le grand lac de France, enfin, techniquement,
C'est le lac Léman. Le plus grand lac des six aussi. C'est aussi le plus grand lac d'Europe ouest continentale. Putain, c'est génial ça. Ça, tu le savais pas. Non. Ils vont vraiment devoir trier entre les informations bullshit et les vrais trucs. C'est moi ta chochotte. Non, moi je fais ma chochotte. Ah. Il y a des jolies filles. Oui, j'ai vu, mais non, ça va pas me motiver. Bon, on fait quoi là? On cherche en place une place de pique-nique. Parce qu'on est partagé entre elle qui veut manger au sommet et lui qui a vertige et qui veut manger ailleurs. Attendez, parce qu'on était censé aller manger sur une crête qui était prête à s'effondrer à tout moment. Non, mais attends. Avant on marchait, on était comme ça dans les cailloux, t'as rien dit, mais là aller manger sur une crête. Mais parce que marcher dans les cailloux, genre les cailloux ils peuvent s'effondrer. Ouais, non, mais j'ai pas de théorie. Mais... Bonjour, on voulait faire un petit coucou à YouTube. Bonjour. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. C'est bon ou pas? Bah là, ça a l'air bon en tout cas. Je suis peut-être un peu fort. Ah, peut-être, ouais. Ah ouais, en vrai la fondue elle était bonne, elle était bien préparée par Lidies. Le pain était pas mal aussi. Mais la vérité c'est qu'il n'y avait pas assez. Assalamu alaikum. Bzouzbekistan nankeldik. Francus. Yes. Yes. Francus dostlar bilan biz tanishdik birga biz Incruzus klubidan 28-ta sayohatchilar Shvetsariyaning tog'lari bo'ylab maza qilib dam olyapmiz. Aynan Shvetsariya tog'larida biz fransuz do'stlarimiz bilan do'stlashdik. Safimizga qo'shilinglar. Thank you. Bon, là on a fini de manger. On décale. Ça s'appelle comment déjà le truc? Le jardin alpin. Ah oui, abonnez-vous parce que Maxou, il a besoin de vos abonnements. Voilà, il a tout dit. Do you want to say something to you, to YouTube video? A message. Sorry, my train after 3 minutes maybe. Okay. Goodbye, have a nice day. Donc là, on peut faire des paiements. Et là, il y a la Cruzy. Et Paul qui paye. C'est moi. Paul qui paye pour la. Qui paye une donation. Je suis généreux. C'est qui a le porte-monnaie? Bah oui, c'est gentil d'avoir porté mon porte-monnaie. On peut y aller? Et le petit tips, quand vous êtes au rocher de nez, ça c'est l'endroit où personne ne va. Voilà, parce que c'est mal indiqué. Et puis c'est un super habitant du coin qui nous a montré ce super tunnel. Exact. Donc vous allez à la gare, vous continuez tout droit à cette porte et puis il y a un tunnel pour les piétons. Eh ouais. Donc le tunnel dure à peu près 2 km de long. C'est faux, je sais pas du tout la longueur. Mais il y a vraiment personne et ça résonne beaucoup. Et après en fait ça passe sous la montagne. Sous la montagne. À travers la montagne si vous préférez. Je pense que le son va être vraiment dégueulasse. Et puis après bah, on arrive de l'autre côté. Et puis il y a une belle vue sur le lac. C'est parti! On arrive sur la terrasse, hein? Et on pourra enfin avoir la réponse de qu'était le truc blanc. Potentiellement. Eh ouais. Donc on parle de la trappe là-bas au-dessus que vous voyez pas, parce que c'est à contre-jour. C'est la chambre du président suisse, voilà, qui l'a fait construire au Chine. Alors, si vous voulez visiter la chambre privée de Alain Berset, qui est actuellement le président de la Suisse, et aussi de l'équipe de Suisse de football, mais bon, ça on y reviendra pas. Vous pouvez venir au Rocher de Nez, et puis c'est très beau. Regardez la vue. Qu'on va aller où il y a des jolies choses. Ah voilà. Bah, il y a quand même des belles montagnes sur vous. Ça, c'est un peu une petite dédicace à notre prof d'économie, non? C'est vrai, petite dédicace, voilà. Donc, la prochaine, si vous voyez cette vidéo, la prochaine fois. On vous attend. Venez avec nous quand même. Ouais, venez. Parce que vous avez quand même l'élève la plus brillante de votre classe et en toute humilité, l'élève le plus brillant de votre classe aussi. En toute humilité. Bonjour. Est-ce que vous voulez dire un petit message à YouTube? Toujours. Bienvenue en Suisse, on y est trop bien. Bonne journée. Merci beaucoup. C'est chaud quand même qui reste là, cette bestio. T'as même pas le vrai accent. Monsieur, bien sûr que j'ai l'accent. L'accent du canton de Fribourg. T'as pas l'accent broyard. Oui, y a pas d'accent. Regardez comment on était haut avant.
Ok, alors petit partenariat du coup rémunéré cette fois-ci, les menhirs du Rocher de Nez, des Rochers de Nez. Magnifique attraction pour les gens cultivés et qui ont envie de se cultiver. Amené ici en l'an -1500 par Obélix, c'est un grand intérêt culturel. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez repasser d'ici 2 mois, ils y seront toujours. Bonne soirée. Top là. Ah non. Ça continue? Ah oui, oui. On y va? Non. Oh la dinguerie. Ouais, ça fait flipper. What the fuck? Je sais pas si c'est trop une bonne idée de continuer. Pourquoi? Je sais pas, je te suis. Non, oui, c'est une spéciale. Hein. Allez. Je suis juste pas ultra dessus, parce que je vois. Oui, on voit rien. À tout moment, mec, il y a une bête de pente ou des squelettes. Ouais, ouais. Didi, on est mort. Miguel, Noël, on dit pas trop ça. Tu veux pas aller moins loin, s'il te plaît? Mec, ça continue encore après. Et moi, je peux pas continuer avec mon dos. Ah ouais. On fait demi-tour? Demi-tour de course. Voilà, les amis, c'était la visite de la grotte avec Polito. On était tout là-haut. J'ai mal aux jambes. Voilà, c'est tout ce qu'elle a à dire. Voilà. Non, mais c'est cool. On a bien marché. On est bientôt au village. Au village? Je me moque pas, ça a rien à voir. Est-ce que je me moque? Dites-le-moi en commentaire. Regardez sa première vidéo. Première vidéo, il a fait exprès d'imiter l'accent valaisan. Rien à voir. Parce qu'on est expert dans les vidéos de Max Rando. J'ai plus de genoux. Non, ça va en vrai. Et le dos, par contre, très peur quand je vais rentrer. Bon, voilà, fin du tour. Et ben, on a une grosse mauvaise nouvelle, c'est que le trépied est cassé. Un dit Didi. Ah, d'ailleurs, attention, je peux prendre vite fait. T'es froid de la Migros, on attend votre sponsoring. Hein. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker. Et tu veux dire à ta à la place? Ouais. Vas-y. N'hésitez pas à liker parce que Maxime, c'est un bon. À vous abonner. Faites des rendez-vous avec Maxime, c'est très bien, c'est très drôle. Ouais!